suis éclatée. Il est 5h48. J'ai mon petit déj là comme ça. Je sais pas si je vais pouvoir en manger parce qu'il faut que je parte dans 15 minutes même pas. Donc je vais vraiment très très rapidement me maquiller. Genre j'arrive même pas à parler tellement je suis fatiguée. J'ai les yeux gonflés. C'est une atrocité. En plus dehors il fait nuit. Prince il comprend rien. Je dis mais pourquoi s'est levé à 5h40 là? En fait j'ai des métros à 6h12, 6h26. J'aimerais bien prendre celui de 6h12. Comme ça j'arriverai vraiment en avance pour trouver la porte et tout de l'embarquement. Bah oui parce que vous savez pas. On va visiter deux îles aujourd'hui. Donc j'y vais en bateau. Et c'est juste pour la journée en fait. Oh, mon dieu mes yeux ils sont tellement gonflés. Je suis fatiguée. Mais quelle idée d'avoir pris un bateau à 7h20. J'ai pas arrêté de penser cette nuit et tout, à être stressée, à penser aux îles et tout. Qu'est-ce que ça va être quand on va passer 3 jours hein, moi je vous le dis. Hein. En plus, il doit faire bien froid dehors, sauf que cet après-midi, il fait bien chaud. Enfin, bien chaud, il fait 21. Du coup, j'y vais en short, là. Enfin, une espèce de petit ensemble, là, avec un short et une veste. Je vais me les peler. Je pense que je vais même pas manger le croissant, je vais prendre avec moi. Parce que j'ai vraiment pas faim. Je me suis déjà préparé des sandwichs et tout hier soir pour ce midi. Avec un petit smoothie et tout. Donc on va faire, on va manger là-bas le petit déj parce que là, 5h40, j'ai pas faim en plus. Donc bref, on se prépare et on va aller visiter deux îles. Donc c'est Egin et Mili. Je vous montrerai le petit itinéraire qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, on va de Athènes au port en transport. C'est le Pirée. On met environ 30 minutes. De le Pirée, on va aller à Egin. Et ensuite, de Egin, on va aller à Mili. Et ensuite, à 17h, bah, de Mili jusqu'à le Pirée pour rentrer à la maison. Et on a environ une heure de route. J'arrive même pas à faire mon liner. Mais quelle idée de faire un liner là, Elisa. Donc bref. C'est parti, je vous emmène avec moi avec mon téléphone, ce sera plus simple que ma caméra. Parce que là mon sac il est déjà lourd, mais c'est pas très pratique la caméra. Donc je vais vous filmer avec mon iPhone, de toute façon vous avez l'habitude, hein. Vous n'avez pas été gêné la dernière fois. Il est 53, je vais juste prendre mon café je pense. Me laver les dents et m'habiller. Et me détacher les cheveux aussi, oh là là. C'est quand même beau je trouve, hein. Je crois que c'est celui-là le nôtre. Pas sûr. En tout cas je sais pas du tout où c'est. Hein. Ah j'ai froid. Mais quelle idée d'être en short. Je me pèle le cul. Bon il faut trouver la porte 8. Eh oui j'arrive. Ok il y a le panneau là-bas, E8. Je suppose que c'est là-bas. Putain ça caille. Ça me fait penser à la Crète. Oh là là. Bon je suppose que c'est là, 7h20. Je pense que ça doit être là, mais par contre où? Et du coup là on a des petites tables et tout pour pouvoir s'installer au calme. Les gens me regardent, c'est perturbant. Mon bateau c'est celui-ci, il est trop beau. Bah du coup j'ai demandé à la dame parce que j'allais pas me peler le cul comme ça, elle m'a dit que je pouvais directement prendre le bateau. Ah ça fait bizarre. Oh là là, il est trop beau. Ce que j'attendais en fait comme une coche, je me suis dit vas-y on va quand même demander. Ah ouais il est trop beau le bateau, hein. Les gens ils sont trop sympas, ils ont tous été gentils. On va pouvoir s'installer, manger son petit croissant. Mais du coup, je crois que c'est place libre. Oh la vache. Ah oui, quand même. Hein. Mais c'est énorme. On va faire un petit tour de boat. Ouais, c'est beau. Ça rigole pas du tout. La petite cafette. Ah ouais, je suis choquée. Bon, on va se mettre à l'avant. Hein. Comme ça, on va voir un petit peu le lever du soleil, peut-être. Oh, stylé. Trop stylé. Oh ouais. Bon, je vais vous faire un petit what's in my bag. C'est le bordel. J'ai pris donc deux sandwichs que j'ai fait. J'ai fait à la tomate, cheese spread, de la dinde et du pain. Là, il y a mon petit croissant. J'ai pris aussi des jus de fruits comme ça. Ils sont vachement bien. Ça vient de chez Lidl. C'est super bien. Et de l'eau. J'ai pris mes lunettes. J'ai pris tout ça quoi. Ils ont même pas vérifié pour la carte. En gros, on a des réductions, nous, les étudiants grecs, et on a moins 50% sur tous les ferries, en fait. Et ils ont pas vérifié, tant mieux. Parce que je l'avais perdu, je sais pas où il est. Je l'ai pas retrouvé dans mes mails.
On est parti à 7h30, donc je pense qu'on aura un petit peu de retard. Et c'est vraiment un bordel, il y a énormément de bateaux. Genre, je sais pas comment il fait pour naviguer, parce que là ils font sous-droit dans un bateau cargo. Bon là on est arrivé du coup. Ok super. Là il y a l'île je crois ici. Et après nous on ira là-bas cet après-midi. Bon, je suis bien arrivée sur l'île, il y a énormément de vent, je me pèle le cul. Là, sincèrement, je n'en peux plus. J'ai qu'une envie, c'est de prendre un bon café, de me poser dans un resto. Mais sinon, de ce que je vois, le port il est super beau. Il y a des belles petites maisons, donc là je suis en train de visiter le port, je vais faire un petit tour en marchant et il faudrait que je monte un petit peu plus dans les hauteurs. Oh, il y a des parapluies de couleurs là. Je pense que les petites rues à Egine, elles sont vachement belles. Bon, déjà là, il y a beaucoup, beaucoup moins de vent. Il y a une petite fleuriste, c'est trop mignon. Ah oui, c'est beaucoup plus sympa là. Ah, il y a plein de petits trucs, il faut trouver un attrape touriste. Du coup, j'y reste jusqu'à 13h et quelques. Et après, vers 13h, on va à Mili. Donc l'autre île. Mais là, pour l'instant, rien n'est ouvert vu qu'il est que 9h du matin. Donc je vais aller marcher pendant qu'il n'y a pas trop de gens. Regardez, il y a des petits chachas. Oh, ils sont tout bébés. Hein. Là, c'est beaucoup mieux. Là. Il y a des petits oiseaux, il y a un peu moins de vent. Les chats, ils sont en train de manger. Regardez le système de crottes. Genre pour ramasser les crottes. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est des cartons. En mode pelle. Génial. Là, on a une énorme église. Enfin, mini monastère, je sais pas. Je sais pas si on peut rentrer. Ah si, on peut rentrer. Je suis pas sûre que j'ai la tenue adéquate pour rentrer. Je ne pense pas. Mais c'est genre trop beau. Ah non, je pense pas que je puisse. Please respect the... Non, ouais, j'ai peur. J'ai peur de me faire refouler. Ah, regardez, il y a des petits parapluies de couleurs. Trop mimes. On va faire une belle photo. Je trouve ça tellement apaisant. Oh, regardez le cactus. Il est énorme. C'est vraiment trop mimes. Il y a plein de petits monastères juste dans les petits villages comme ça. C'est super sympa. Il y a du soleil. Je suis en train de me réchauffer. Ça fait trop du bien un peu de soleil. Franchement, il fait super froid. Il fait 14 degrés. Mais en fait, cet après-midi, il fait 21. Du coup, bah, je vais avoir chaud. Donc j'avais prévu pour... Oh, regardez le chacha. Oh, bitounette. Coucou toi. Là en fait c'est vraiment plein de petits trucs comme ça, mais j'ai toujours pas vu d'attrape touriste hein. Moi c'est ma passion. Oh, c'est beau. Ah, je crois que j'ai trouvé un attrape touriste enfin. Je veux un magnète. Ah, là aussi il y a des attrape touristes incroyables. Oh, j'adore. Par contre c'est vraiment trop mignon. Il n'y a pas à être aussi mignon en fait. Les petits trucs comme ça, elles sont trop trop belles. Allez, vous savez, ceux qui ne le savent pas, oh, encore un attrape-touriste. Oh, il y a de la vaisselle et tout, mais quand est-ce qu'ils ouvrent là? Moi je veux acheter plein de conneries. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que je vous ferai un petit réel avec toutes les... Ah, oh, c'est beau. Toutes les images et tout que j'ai filmées, que j'ai pris en photo et tout. Genre. Vous savez comment c'est trop mimes? Oh, j'adore la pierre, j'adore les chaises. Hein. Franchement, ici, ils ont des mobiliers, mais incroyable. En vrai, c'est tellement calme, tellement... en paix. Genre vraiment quand tu marches dans ces petites rues là, déjà avec ce sol que je trouve incroyable, ces petites boutiques et tout avec les habits et tout, franchement je trouve ça trop joli. Il m'a fait trop flipper le monsieur là, enfin la statue. Du coup là c'est un petit marché, vous voyez rien. Ah, voilà, c'est un petit marché. Ça sent le poisson mais de ouf, j'en peux plus, ça me dégoûte. Elle est assez mignonne je trouve comme île. Enfin il y a quand même pas mal de petites ruelles assez sympathiques, des petits commerçants et tout, c'est plutôt sympa. J'aime trop. C'est trop mignon. Bon c'est des fausses fleurs hein, malheureusement mais c'est trop chou. Et là il y a encore un autre petit monastère. Donc là je suis au sud de la ville, donc il y a le port. Enfin, je suis super froide donc on va pas aller vers le port, il y a trop de vent.
on va retourner un petit peu plus au nord et on va peut-être visiter le temple d'Apollon. Et ça me fait rire parce que même les petites mamies, genre de 75 ans, 80 ans, elles sont sur des mobilettes comme ça et genre au calme, elles font des vroom vroom dans toute la rue. Genre elles ont pas peur et tout, enfin, franchement c'est incroyable. Bon et bien pendant que je marche, on va parler un petit peu d'Apollon, on va faire une petite, on va faire un petit point culture. Alors Apollon c'est quoi? C'est le dieu grec des arts, de la musique, de la lumière, enfin de la poésie, du tir à l'arc. Enfin, c'est donc le fils de Zeus, sa mère c'était Leto et sa sœur jumelle c'est Artemis. Après il a de nombreux frères et sœurs, hein, vu que Zeus il la ken énormément, Héphaïstos, etc. Athéna aussi. Donc en fait c'est un dieu qui peut apporter la guérison etc, mais avec son arc il peut aussi donner la peste. Donc voilà, ça peut être à la fois un gars gentil et un gars méchant. Je m'arrête dans mon récit parce que regardez ça, c'est trop beau, on est d'accord? Voilà, j'adore. Genre le dieu Éole est avec moi là, ça y est. Donc là je suis devant le musée de Apollon, donc ça ouvre à 10h. Donc c'est 4 €. Je vais voir si je peux avoir ça gratos. Bon, oh, mais à chaque fois que je parle, il y a toujours un bruit. Bon, j'espère que ça va être free pour moi, parce que j'ai pas envie de payer 4 € parce que j'ai pas d'espèces, n'oublions pas. J'ai pas de thunes. Je l'ai toujours dit, hein, c'est meilleur quand c'est gratuit. Faut toujours négocier. Elle m'a dit, ah, vous avez quand même 25 ans. Je sais, ouais, mais je suis dans les années 98, donc c'est bon encore. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, allez, je vous le fais. Bad fucking bitch. Donc là je suis dans le musée. Dans les musées en Grèce ils ont beaucoup de petits jardins au milieu. Et là c'est assez joli, j'adore ça. J'adore la couleur. Et c'est super sympa parce qu'il n'y a personne. Du coup bah t'es tranquille pour visiter, pour regarder. J'adore leur jardin, vraiment c'est un truc de ouf. Dans chaque musée il y a un jardin. Avec plein de petites statues comme ça. C'est super mignon. Non mais écoutez ce silence. C'est genre hyper agréable. J'aime trop. J'ai fait un petit passage aux toilettes. J'avais pas de lumière. Je sais pas comment on fait pour allumer. Parce qu'il y avait une lumière, mais il n'y a pas d'interrupteur. Du coup, j'étais avec la lampe torche. Bon, allez, on va visiter un petit peu ce temple. Donc là, on est au début du temple d'Apollon. Il ne reste plus qu'une colonne. Ah putain, c'est trop. C'est trop bien, il n'y a vraiment personne. Ça, c'est génial. Hein. Bon, je suis arrivée au temple, donc de base ça devrait ressembler à ça. Bon, il n'y a pas grand chose, mais je trouve ça super joli. Déjà, on a une vue imprenable sur toute l'Égine. Et surtout, je suis toute seule. Genre vraiment, c'est un truc de ouf. Je peux faire ce que je veux. C'est génial, il n'y a pas de touristes là en face de moi. Ah si, vous allez voir, mais il y a une fourmilière. Genre, laisse tomber. Il y a plein de fourmis. Je suis vraiment fascinée par les fourmis parce qu'elles arrivent à soulever leur plus de leur poids, genre 3 fois leur poids. Elles sont trop mimes. Il est 10h30, ce qui signifie que les trappes touristes sont ouvertes. Je suis ravie, je vais aller faire des petites boutiques et tout. J'ai vu qu'il y avait une boutique avec plein de petits bols en céramique et tout, fait main et ici. Donc j'ai envie d'aller voir ça. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Parce que moi, je me pèle le cul. Peut-être aller prendre un café pour me réchauffer parce que vraiment il fait très froid. Les gens sont en doudoune. Moi je suis en short. Et du coup je vous avais pas montré parce qu'il y avait trop de vent. Mais là il y a le petit port, donc il y a les petits restaurants juste là, les vendeurs de cacahuètes, la base. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, je reviens de mon premier attrape touriste. Je n'ai rien trouvé d'extraordinaire. J'aurais dû laisser tourner la caméra parce qu'il y a un mec qui vient de me siffler au calme et de me regarder de haut en bas, genre. Le manque de respect. Il y a cette petite boutique juste là. Trop mimes. Il y a plein de couleurs et tout. C'est trop beau. Il y a ces petites tasses qui sont vraiment trop belles. Mais elles sont un peu chères pour moi, 18 €. Mais vraiment trop trop belles. Et tout est fait ici en fait. Tout est fait main. C'est sublime. Bon ça y est, j'ai acheté mon petit magnète d'attrape touriste. Je suis trop contente. Il est 11h donc j'ai quand même un peu faim. Donc je vais aller me poser, manger un petit peu mes sandwichs. C'est vrai qu'au niveau des magnettes aussi, il n'y en a pas beaucoup et pas des très jolis. Et ils sont chers. Genre là, ça va, il était à 3 €, mais là, la boutique où j'ai été, là, c'était 6 € le magnet. Et j'ai réussi à payer par carte aussi.
Heureusement, parce que j'ai genre 1€ ou 2€, je crois. Le truc, c'est qu'il y a vraiment plein de belles choses, mais c'est très très cher. Genre, c'est doublé vu que c'est... Le prix est genre doublé, parce que bon, bah, c'est une île, parce que c'est logique. Mais vraiment, genre un petit plat ou un café, c'est genre 6€. Alors qu'à Athènes, c'est 2€, par exemple. Je viens de trouver un petit boutique avec ces magnétiques, ils sont trop beaux. Ah, dommage. Mais bon, j'aurais pas eu la place, je pense, mais il est vraiment trop stylé. 3,50€, en plus, c'est pas trop cher. Et la boutique, elle est vraiment trop mimes. Oh là là. Ah ouais, sauf 18€, quoi. Mais c'est trop beau. J'adore cette tasse. C'est vraiment une très, très, très belle boutique. Et si vous avez du budget, n'hésitez pas à acheter ici, parce que vraiment, elle est trop belle, cette boutique. Les tasses sont magnifiques. Mais elles sont beaucoup trop chères pour moi. Genre, j'aime tout ce qu'elle propose. Toutes les tasses, elles sont incroyables. Du coup, je me suis posée avec un petit café. Au moins, ceux-là, ils sont à 2,10€, ça va. Et en plus, ça m'a mis une autre cup parce que c'était trop chaud. Trop mince. Ils sont plutôt pas mal. Ils sont très bons. J'ai trouvé un autre attrape-touriste avec des magnettes. Trop bien. Pourquoi je l'ai pas vu celui-là avant? Il y a beaucoup de balades à cheval et tout. J'aurais trop aimé faire une petite balade, mais c'est pas très... correct moralement. J'en profite pour vous montrer le port pendant qu'il n'y ait pas... Ah, quand il n'y a pas de vent, bah c'est flou. Attendez, voilà, je profite de vous montrer le port pendant qu'il n'y a pas de vent. C'est vraiment super joli. Donc moi, je vais avoir mon bateau quelque part par là. En fait, il fait une escale ici à Égine pour nous amener, pour nous amener ensuite à Milly. Donc il faudra que je me dépêche de le prendre. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de petits poissons. Et il y a aussi une courgette. Il y a plein de petits... Oh là là, il y a même... Il y en a plein là-bas, là. Genre énorme. Et j'adore les bateaux comme ça. Je trouve que c'est trop beau, les bateaux de pêcheurs, là, comme ça. Avec le reflet de l'eau, c'est archi beau. Du coup, je vais faire un petit tour sur le port pendant qu'il n'y ait pas de vent. Et après, je referai le demi-tour pour prendre mon bateau. C'est quand même mignon, hein. Je trouve ça trop chou. Moi aussi, je veux un bateau avec des étoiles et tout, là. Donc là, j'attends le bateau. En fait, sur l'application Ferry Hopper, on peut voir la position du bateau. Donc je sais quand est-ce qu'il va arriver. Donc il arrive dans un peu longtemps. Il arrive à 13h10 de base, mais je pense qu'il va avoir un peu de retard. J'ai demandé à la dame à l'accueil. Elle m'a dit qu'il arriverait juste en face. Enfin, pas au même endroit où j'ai atterri. De toute façon, il est assez gros, le bateau. Je pense que c'est facilement visible. Je vais me poser, par contre, devant. Là, il y a plein de morceaux de pain avec plein de pigeons. Je n'en peux plus. Là, ça y est, on va à Milly. Enfin, c'est une petite île qui fait partie de Égine. Juste en face, en fait, c'est 10 minutes de bateau grand max. Et franchement, le bateau, il est luxueux de ouf. Hein. Je pensais pas, mais attendez, je vais vous montrer. Genre, quand on est allé à Santorin avec ma soeur, les fauteuils et tout, c'était vraiment dégueulasse. Et là, c'est vraiment très luxueux, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais c'est n'importe quoi. Du coup, ben, on va à Milly.
Donc je suis arrivée sur l'île. Le petit bateau, c'est le bateau rouge, et franchement excellent. Très propre, même les toilettes, tout était vraiment parfait. Donc trop contente. Donc il y a quand même du vent, j'espère que je vais pas avoir trop froid. Je sais pas si vous allez bien voir, bon déjà il y a plein de poissons, mais aussi l'eau elle est turquoise. Enfin c'est excellent, genre c'est trop beau. Genre j'ai trop envie de plonger, mais elle a l'air tellement froide. Alors ici on a un super beau café avec des belles pierres. Je pense que c'était les anciennes ruines qu'ils ont réhabilitées en café, je trouve ça trop beau. Et je viens de voir là-bas qu'il y a une petite carte. Donc je vais aller voir ce qu'on peut faire. Je me suis même pas renseignée, moi je suis arrivée en mode YOLO, rien à foutre, on verra sur place. Bon, ça m'a pas avancé du tout. Mais il y a un espèce de petit truc pour marcher, donc je pense que je vais peut-être faire le tour de l'île. Enfin j'ai 4 heures. Je pense qu'en 4 heures on peut marcher beaucoup. Si je fais pas 20 000 pas aujourd'hui, je ne comprends pas. Et c'est vrai qu'une petite mobilette là ou un petit vélo, ça arrêtait plutôt pas mal parce que les pistes sont assez... Oh la vache, attendez, vous allez voir ça, vous allez péter un câble. Ah non putain, la caméra on voit pas beaucoup, déjà c'est flou. Mais l'eau, tu vois turquoise, c'est encore pire que turquoise. Genre c'est magnifique. Waouh, ça rend pas justice la caméra, je suis désolée. C'est sublime, c'est magnifique. Donc nous tout à l'heure on était là. Et moi j'ai envie d'aller là-bas parce que je vois qu'il y a une petite église avec un dôme bleu. Ça peut être plutôt pas mal. Et c'est plutôt sympa pour se balader tout autour de l'île, c'est plutôt cool. C'est vraiment une petite ville sauvage, il y a l'autre ville qui s'appelle Scala qui est là et beaucoup plus touristique. Celle-ci c'est un peu plus chill, etc. Ce que j'avais vu sur les avis. Bon, j'ai capté qu'en fait là où j'allais c'était Scala, donc c'est l'endroit vous savez qui est un peu plus touristique parce qu'en fait là où j'étais... C'est vraiment mort. Il y a juste genre deux cafés qui se boivent en duel, c'est tout. C'est plutôt sympa pour passer des petites vacances et tout, mais moi j'ai envie de visiter. Du coup, je vais à Scala. C'est environ 20 minutes de marche, donc en soi ça va. Après, vu comme j'ai 4 heures, je vais visiter Scala et je vais donc repartir, refaire le même chemin pour reprendre le bateau là-bas. Mais ça va, le chemin il est plutôt sympa. Il y a la mer à côté qui fait du bruit, des petits cactus, on est seul au monde, c'est flou. Je commence un petit peu à avoir mal au genou, mais ça va le faire. Je crois que je suis arrivée vers Scala, il y a beaucoup de vent, donc je ne peux pas trop vous prendre, parce que sinon vous allez rien entendre. Il y a quelques attrapes touristes, donc maybe un petit magnète là. Ah, je vais aller regarder, tiens. Il y a déjà des bars et tout, c'est super sympa, genre les bars sur les plages, ils sont vraiment trop beaux. Déjà les petits magnets, ils sont trop beaux. J'adore avec les portes et tout, je trouve ça trop mignon. Donc on va aller voir la petite église, elle est trop chou avec sa petite cloche là-haut. Prends mes hommes. Bon, j'espère que vous allez m'entendre avec tout le vent, mais l'église est trop mimes. Franchement le dôme il est bleu, mais genre un bleu incroyable. Par contre j'ai vraiment plus beaucoup de batterie, genre j'ai 20%. Il faut que je tienne jusqu'à 17h30 pour au moins scanner mon ticket. Donc je vous prends toutes les photos, toutes les images que je peux. Il n'y a pas grand chose à visiter hein, ici. C'est juste joli pour les vacances, juste pour se reposer, etc. Mais sinon, c'est pas genre la destination culturelle quoi. Ça reste joli. Donc il y a plein de petits hôtels en fait de ce que j'ai vu pour les plages, etc. Là il y a le port je crois de Scala. Donc là on est à Scala, hein. Je sais pas si je vous ai dit mais normalement oui. C'est bien pour se reposer pour les vacances mais pour visiter c'est pas ouf. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, j'ai envie de plonger. Oh là là. Par contre il y a un sacré hôtel avec une sacrée piscine. Oh, c'est trop beau. Et en face du coup il y a les transats avec la plage en face. Il y a un attrape-touriste juste là, je suis ravie. C'est vrai qu'il n'y en a que 3 à Scala, enfin que c'est déjà beaucoup. J'adore, il y a plein de magnètes et tout. Bon, il y avait un magnète qui me plaisait, mais 6 euros le magnète, c'est pas possible. Surtout que c'était sur un vieux truc en bois, enfin, faut peut-être pas abuser non plus. Il y en a encore un. Celui-ci a l'air vraiment grand, avec plein d'objets, what the fuck. Oh, le vase est trop beau. Oh my god, celui-là, il est trop beau. Ils étaient pas très gentils. Ils m'ont hyper mal regardé, ils arrêtaient pas de me poursuivre. C'est extrêmement chiant. Après mieux réflexion, je pense que derrière mon petit magnète, j'écrirai déjà la date, mais aussi les villes que j'ai faites.
Ça sert à rien d'acheter un magnète en fonction de chaque ville si ça appartient à la même île. Même si c'est deux îles séparées, ça fait partie de l'île Agistri. Je vais faire Egin, Scala, Émilie, genre derrière le petit magnète que j'ai acheté tout à l'heure. Et là, je vais me poser dans un bar parce que je n'en peux plus. Genre, je sens plus mes jambes. Je suis en train de manger mon petit toast et là il y a un chat qui arrête pas de me quémander, genre il a mis sa patte sur ma chaussure et tout, genre miskin. J'essaye de manger mais il me fait pitié genre. Alors que je sais que t'as à manger, t'as des croquettes. Je crois que je les ai pas vues les croquettes. J'en ai deux même. Enfin revenue, je suis fatiguée, je pense que ça se voit sur ma tête. Depuis 5 heures ce matin, je fais que marcher. Je crois que j'ai fait au moins 25 000 pas. Et les jambes en compote, j'ai les genoux en vrac. Donc là je me fais réchauffer des patates au four. Et je me suis fait aussi une petite salade de fruits. Je me suis lavée à l'eau froide. Vous connaissez la chanson, il faut appuyer sur le bouton pour avoir de l'eau chaude, attendre au moins une heure. Mais là j'avais pas envie d'attendre une heure, j'étais dégueulasse, j'en pouvais plus. Pour résumer ces deux îles, on m'avait vendu Egin comme l'une des plus belles îles de Grèce. Franchement je la trouve jolie, mimes et tout. C'est pas aussi jolie que ce qu'on m'avait dit, enfin je m'attendais à beaucoup plus jolie. En fait j'ai déjà vu la Crète, j'ai déjà vu Santorin, j'ai déjà vu ce genre de choses. Donc ouais, Egin c'est mignon etc, il y a de belles couleurs mais on fait vite le tour. Moi j'y étais de 8h30 jusqu'à 13h, ça fait quand même 13h30, ça fait 5h. C'est amplement suffisant, même pour faire toute l'île, hein, vous prenez une voiture et tout, c'est amplement suffisant. Les gens étaient vraiment sympas à Egin. Après il y a beaucoup de mecs qui m'ont cassé les couilles à me siffler à tous les coins de rue. Je me suis fait siffler au moins 10 fois. En 5 heures, franchement c'est aberrant. Enfin j'avais beau leur dire c'est irrespectueux, enfin tout ça ils en avaient rien à foutre, ils rigolaient. Après je suis allée dans une autre île d'Agistri, donc c'était à Mili et à Scala, donc j'ai fait Scala à pied. Et franchement c'est pas une île où tu peux découvrir des choses, c'est plus une île où tu y vas pour te prélasser au bord de la plage. Je pense que c'est ça parce qu'il y avait rien, il y avait que des hôtels, il y avait que des trucs comme ça. Il n'y avait rien d'autre. Si vous voulez y aller juste pour bronzer, chiller, etc., allez-y. J'y suis allée, mais 4 heures, c'était un peu long. Je vous avoue, c'était un peu long. En plus, j'avais plus de batterie sur mon téléphone, c'est un peu la merde. Je suis restée avec 1% durant tout le trajet. Ouais, donc franchement, on fait vite le tour. Donc, je vous mettrai les petites informations à l'écran, là. Donc, voilà ce que j'ai fait comme petit trip. Pour les étudiants grecs, on a moins 50%. Moi, j'ai réservé via Ferry Hopper. Hein, donc, c'est là où on a les meilleures offres, en fait. Moins 50%. Donc, de base, ça devrait vous coûter 40€ si vous faites ça. Et moi, ça m'a coûté 20€. Donc, voilà. J'espère sincèrement que vous avez aimé ces petites vidéos que je vous ai prises et tout. Parce qu'en fait, ça prend beaucoup de place dans mon téléphone et ça prend beaucoup de batterie parce que c'est des images en 4K. Je pense que vous le voyez, c'est différent de ce que vous pouvez voir habituellement. Et je vais vous faire deux réels aussi sur Instagram, un sur Egin, un sur Mili. Donc n'hésitez pas à aller checker mon Instagram, je vous ferai aussi des petites photos, etc. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.